ces entraînements, vous devriez avoir suffisamment confiance en vous pour donner tout votre potentiel. Tout autant que vous êtes, les filles, c'est vous qu'on a envie d'emmener jusqu'en France. Mais pour y arriver, vous allez devoir tout donner. Chaque jour. T'as des papillons dans le ventre, hein? Je déteste ça. On devrait s'y remettre. Profite juste du moment et le reste viendra tout seul. On s'échauffe un peu ? Ouais, d'accord. T'as fait un sacré match contre l'Allemagne. Je sais qu'on n'a pas gagné, mais t'as tout changé quand t'es rentrée. Ouais, mais c'était pas un match amical, si ? Et c'est quand même moi la plus jeune ici. Tu sous-entends que je suis vieille ? Non. T'es prête, Hunter ? Plus prête que jamais, coach. Bien, alors montre-moi. Les filles, en rang derrière les cônes. On travaille les passes. Bon boulot, les filles. Rendez-vous à la réunion d'équipe. Oh, pardon. Hey! Tu sais ce qui est pire que d'arriver en retard à l'entraînement ? Glisser sur un sol mouillé et devoir mettre un terme à sa saison ! Michael ? Pourquoi t'es en retard d'ailleurs ? Je reviens d'une réunion avec Roger sur une possibilité d'investissement et... Tu sais, à propos de spéculation, d'accumulation et plein d'autres trucs anciens. Ouais. Et toi, qu'est-ce que tu fais là ? Eh ben moi aussi j'avais des réunions, à propos de mon client numéro 1. Ton unique client, tu veux dire ? Ouais. Mais t'as gardé le meilleur jusqu'à la fin, en fait. C'est ça que t'as fait. Bon, alors, c'est à quel sujet ? Parce que je dois vraiment aller m'entraîner. Butler va me tuer si je suis en retard. Je sais que la saison passée a été dure. Mais t'as vu ce que t'as fait ? T'as gagné la League Cup ! En fait, le club ne sait pas quoi faire avec toi. Je te demande pardon ? Ça veut dire quoi, ça ? Non, 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 non. Je suis le grand Williams. C'est moi, le grand Manitou, ici. Oui, d'accord, je connais ta valeur, tu connais ta valeur. Mais tu dois les persuader de ton talent. Et ça commence dès la pré-saison. J'ai tort ? Allez, fonce et va montrer à ce club que t'es indispensable. Et n'oublie pas, t'es mon client numéro un. Danny ? Oui, quoi ? Ton entraînement ? Oh ! Butler va m'assassiner ! Il me faut vraiment un nouveau boulot. Fais-moi confiance. Tes gains vont doubler en un mois. Deux, max. Ça va, mec ? Alors ? On est d'accord ? Super ! Super, ouais. Oui, je viendrai avec tous les papiers à signer. Génial, ok. Bye. Bye, 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 bye. Toi, mon pote, t'es le nouveau visage du restaurant Macmillan's Fish and Chips. Et en échange, du Fish and Chips à volonté dans 28 enseignes à travers l'Angleterre. Wow. Appelle-moi le parrain des affaires. Tu veux dire Macmillan's, ouais. Macmillan's Fish and Chips ? Macmillan's, ouais. Là où on mangeait presque tous les jours ? Ouais. Macmillan's ? Exactement. C'est trop génial ! Eh oui, il te donne, ouais, le choix entre une publicité à la radio et une séance photo pour des affiches sur... Enfin, tu vois le genre. Ouais. Tu préfères quoi ? Quand on a ce qu'il faut, on a l'affiche, c'est ce que je dis toujours. Fais flasher les appareils photos. Ah, génial. Eh, hey, Adidas, ce seront les prochains, je te jure. Fais-toi une réputation. Quelques trophées, des hommes du match, et le Williams deviendra une marque à succès. Oh, peut-être que c'est Adidas. Ouais, peut-être, vas-y.
Danny boy, the pipes are calling. Ah tiens, c'est Roger le rocker, l'homme d'affaires extraordinaire. C'est Ringo, mec. Ah oui, pardon, autant pour moi. Personne ne t'a jamais appelé Ringo. Tu peux pas choisir ton surnom, ça marche pas comme ça. Arrête, c'est comme ça que tout le monde m'appelait à l'école. Quand? Bah, quand je jouais de la batterie. Ringo, tu t'en souviens quand même? T'as joué du triangle une fois dans l'orchestre à l'école et en plus tu jouais faux. Non, j'ai joué deux fois. Comment vont les affaires? Ah, ça a jamais été aussi bien, Michael. Ce vieux Roger non, vient de c'est trouver Ringo. Mon tout nouveau sponsor, Macmillan's Fish and Chips. On allait y manger tout le temps quand on était gosse, hein Roger? Ouais, c'est vrai, Ringo. Tiens, en parlant d'affaires, je viens de caler une réunion pour la prolongation de ton contrat le jour du dernier match de préparation. Okay. Alors fais-toi remarquer en Extrême-Orient et on sera vraiment lancé. Et pas de pression, hein mec? Ton avenir en dépend, Danny. Ouais. Ce sera plus pareil ici, Santino. Oh, c'est fini. Merci, messieurs. Il paraît qu'ils n'ont pas de hachis parmentier ici, hein? Tu sais, je les connais bien, ces super agents. Ils savent ouvrir les bonnes portes. Ça pourrait être une excellente opportunité pour toi, Alex. Alex. Madame Villanova. C'est un plaisir, monsieur Hunter. Appelez-moi Béa. S'il vous plaît. Je me souviens de vous en quart de finale de la FA Cup. Cette frappe du pied droit et cette tête en pleine surface, le gardien n'a pas compris ce qui lui arrivait. Je vois maintenant d'où Alex tient son talent. Alors, que pouvons-nous faire pour vous? Comme vous le savez, monsieur Hunter, il y a un temps dans la carrière d'un joueur où il transcende le sport pour lequel il excelle. Et il devient une marque. Souvenez-vous de CR7. Chez Villanova et Associés, mon équipe et moi, nous pouvons offrir à votre fils une chance de franchir un cap. Avec de bons conseils et les bonnes opportunités, Alex a tout le talent pour devenir une icône du football moderne. J'ai l'impression d'halluciner. Je pense qu'on ne peut jamais être trop ambitieux. Avec ton talent et ton image de marque, tu devrais penser comme moi, Alex. Impressionnant discours. Ça a l'air vraiment génial. Mais j'ai déjà un agent. Oh, ne fais pas l'imbécile, fiston. On sait bien que j'étais seulement un bouche-trou après que Michael ait fait n'importe quoi. Béatrice représente tout ce dont tu as besoin. Un agent qui peut t'emmener très loin. Mais soyons clairs, Alex. Ce que je te propose va impliquer de très nombreux sacrifices de ta part. Cela dit, si tu es prêt à travailler avec nous, tu n'imagines pas à quel point ta rétribution sera immense. Eh bien, à présenter comme ça. Ok, alors, je suis le roi des passements de jambes, Cristiano Ronaldo. Oh, dans ses rêves, peut-être. Facile, ouais. Alex Hunter. Ouais, c'est ça. Tu peux toujours rêver.
Tu diras plus ça quand on t'aura battu à la Tokyo International Cup. Franchement, tu sais que ce trophée a déjà notre nom dessus. On verra, mais ouais. On verra. On dirait que le plan fonctionne, hein, Alex. Papa a dit que tu faisais le mur à la maison pour connaître l'équipe qualifiée. Eh bien, le plan fonctionnait, papa, jusqu'à ce que t'en parles. Alors, papa, tu vas venir voir les demi-finales ? Ton grand frère est aussi pénible ? Un recruteur ne s'arrête jamais. Disons que c'est quelqu'un, ça c'est. C'est pour ça que vous ne vous parlez plus. Oui, on peut dire ça. Bon, on ferait mieux d'y aller, ma puce. Il faut essayer de dormir. Mon horloge interne est déréglée. Oui. Vous devriez vous reposer aussi. Vous avez de gros matchs en perspective. On continue ou pas ? C'est parti. Ok, d'accord. Allez, vas-y. Bon, je suis une célébrité ? Oui. Ok. Un sportif ?